Ah, ça fait peut-être une vidéo. Écran mobile présente les films près de chez vous. We should have ran them off the rail, but now they've left us here to starve. Should have ran them out in droves, now we're dying here, but no one can help you. They've been told that all that's left to see is very sad. Bienvenue dans les films près de chez vous. Ce soir, nous allons faire la part belle à des films en noir et blanc. Nous jetterons un œil sur Éclosion, puis ce sera au tour du film vertical Mr. Jack. Et c'est au café Les Enfants Terribles que nous avons rencontré Damien, qui va nous parler de son film autobiographique Éclosion. Et je ne résiste pas à l'envie de l'avouer, le Damien en question, c'est moi. Ça raconte l'histoire d'une personne qui travaille dans les bureaux et qui s'y amuse pas forcément. Et qui a postulé déjà deux fois aux Beaux-Arts et doit se faire rejeter. Et il postule une troisième fois. Et il a plus envie d'écrire une lettre de motivation, on a ras-le-bol. Donc il fait une vidéo qui est le film, en fait, Éclosion. Et puis bon, ça sert à rien de parler non plus de moi à la troisième personne. Donc cette personne, c'est moi. J'ai joué moi-même dans le film, en fait, parce que peut-être par timidité de demander à un autre acteur de le faire à ma place. Et puis en même temps, moi, j'étais le premier acteur que j'avais sous la main. Alors c'est vrai que je suis assez d'un tempérament, contrairement à ce qu'on aurait pensé en visionnant le film. Enfin, ça dépend, j'ai des périodes un peu extraverties, mais la plupart du temps je suis assez timide et réservé. Et je me suis dévoilé dans ce film, je crois que le premier point, c'est que je l'ai fait juste pour moi, ce film. Pour moi, c'était un peu le fait de s'ouvrir le ventre, de sortir ses tripes sur la table, et d'aller un peu au-delà de ses peurs, la peur de se dévoiler, la peur de montrer qui on est. Et puis je me suis dit, cette fois je vais essayer sans peur. Vraiment, je l'ai fait presque dans mon coin, tout seul, avec un pote qui tient la caméra, sauf pour certaines scènes où par pudeur je préférais les filmer moi-même. Bon, alors je pourrais difficilement répondre à la question sur le fait de trouver un style si c'est dur, parce que je pense pas encore avoir totalement trouvé le mien. Enfin, moi j'aime particulièrement les petits défauts dans les films, les petits... genre les choses qui n'ont rien à voir. Quelqu'un qui passe là où il fallait pas, ou une grimace quelque chose qui tourne pas. Et c'est vrai que j'ai quelque chose que j'affectionne et qui est peut-être un parti pris dans ma réalisation à moi. C'est vrai que j'aime partir du réel, en fait, et ensuite peut-être créer une histoire. Donc on part comme si on regardait peut-être un reportage du journal, puis après donc on arrive dans une histoire avec une narration. Ce serait un peu le style que j'aimerais développer, ouais, un style docu-fiction. Bon, c'était en 2003 à l'époque, et je pense que les Beaux-Arts avaient moins une identité de cinéma. C'était plus basé vidéo, installation vidéo qu'on pourrait trouver au MAMCO. Et moi j'arrivais avec quelque chose de très narratif quand même. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pas été pris. Donc j'ai absolument rien contre les écoles de cinéma. Je pense que c'est des milieux où on peut faire des rencontres, ou dans un cadre où j'aurais aimé faire une école de cinéma. Pour moi ça s'est pas fait. Donc je crois aussi à la forme autodidacte, le fait d'apprendre par soi-même, le fait de tourner tout simplement. Bon, j'ai eu mes 15 minutes dont parlait Andy Warhol. Nous allons à présent passer en vertical et nous intéresser au film Mr. Jack, film réalisé par Santosh, un jeune réalisateur valaisan vorace que nous avons rencontré au restaurant Carnivore dans les rues basses. Et pour qui l'exercice de l'interview est... C'est dur. Qu'est-ce que vous lui racontez comme histoire, voilà. Mr. Jack? Alors d'abord, il faut que je dise en fait... le pourquoi du comment. Hein. Et le pourquoi du comment, c'est un concours que j'ai vu sur internet que proposait Vertical Images. Le but, les règles, c'était de faire du 9-16e au lieu du 16-9e. Donc de basculer l'image et de créer un court-métrage sur le thème de la chute. Tu pourras couper au montage si jamais. Pour moi, Mr. Jack, c'est un personnage qui existe chez tout le monde. C'est, comme il le dit dans le court-métrage, c'est ni un ange ni un démon. Il est neutre, mais il est là parce que moi, j'ai la conviction que dans une vie, il faut savoir chuter pour savoir se relever. Parce qu'une personne qui vit avec... réussite depuis qu'il est né, si un jour il a un problème, il aura de la peine
à s'en remettre. Et puis Mr. Jack, en fait, c'est ce personnage un peu mystique qui apparaît, puis qui fout dans la merde volontairement les gens pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils se posent les bonnes questions de la vie. Je suis scénariste, enfin jeune scénariste, donc j'ai quelques projets avec d'autres réalisateurs. Et autrement, j'ai mon gros projet personnel où je suis scénariste et réalisateur avec une boîte de prod située à Lausanne. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que, donc, ça va être ma carte de visite dans quelques années. Premier projet professionnel. Qui va me permettre d'aller, j'espère, le plus loin possible. Bonjour, je m'appelle Jack. Je suis ni un ange ni un démon. Je suis ni un ange ni un démon. Mon job consiste à faire chuter les gens, les foutre dans la merde. Je vous explique. Ma théorie, c'est que l'homme a besoin de tomber durant son existence. Il doit chuter et apprendre à se relever. Il deviendra alors plus mature et plus apte à affronter tout ce qui l'entoure. Malheureusement, certaines personnes ne souffrent pas assez pour se poser les bonnes questions. C'est à ce moment-là que j'interviens. Du jour de sa réussite, peut un jour se réveiller brusquement et réaliser qu'elle est passée à côté de sa vie. Dépitée, détruite de l'intérieur, n'ayant jamais appris à perdre, la violence de sa chute la destine à une fin tragique. Vous êtes si nombreux sur Terre, je ne peux pas intervenir avec tout le monde. Aujourd'hui, le premier de la liste, c'est Marc. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Peut-être un mélange de chance, d'opportunité et d'une volonté de faire. En tout cas, il ne s'est jamais trouvé face à lui-même. Pourquoi se poser des questions quand tout va bien? Mais un jour, il fera un faux pas et son univers s'écroulera. Non, ce n'est pas sa destinée. 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 Le monde a besoin de lui. Le monde a besoin de lui. Et lui a besoin de moi pour que je lui ouvre les yeux. Pour que je lui ouvre les yeux. Ok, Marc, c'est fait. Le tour à Julie.
Écran mobile présente les films près de chez vous. C'est mieux près de chez vous ou près de chez vous, tu vois ? Près de chez vous, c'est mieux comme ça. Près de chez vous, ok. Soleil. J'ai dû en dire ça. Ça m'éclaircit la voix. Pourquoi je me suis pris autant la tête dans ce tournage avec Tony Marshall et tout, où j'ai bossé, tu vois ? J'ai fait vraiment dans ma chambre d'hôtel, j'étais là, ouais, alors tu vois, le personnage arrive, ce background, machin, enfin, toute une sorte de construction de personnage pour une réplique, tu vois. En fait, c'est né aux États-Unis, à Washington, D.C., parmi un groupe des amis, en fait, qui voulaient s'amuser pendant le week-end par le challenge, le défi de faire un film en 48 heures. Bah, je suis parti un petit peu à Paris pour me découvrir un peu. Et puis, j'ai cherché un peu plein de maisons de production. Alors, à Paris, vous en avez 200, donc c'était un peu compliqué. À la base, je suis pas parti tout de suite en me disant je veux faire du cinéma. J'ai toujours une grande conception par rapport au spectacle et j'avais choisi de faire de la magie. Et pendant 12 années, j'ai été magicien.